On essaye de travailler avec la préfecture et les autorités pour que le rassemblement puisse se passer dans un cadre tout à fait légal et que tout le monde soit au courant pour pas que ça se passe effectivement dans l'illégalité avec des choses qui se passent très très mal. Essayer de respecter ce cadre de loi, d'avoir un accompagnement des autorités pour que tout se passe bien en fait, tout simplement. Qu'il y ait un accueil du public conforme, qu'il puisse y avoir des gendarmes à la sortie de nos rassemblements pour pas qu'il y ait de problème au niveau de la sécurité routière, etc., etc., la consommation de stupéfiants éventuellement, etc. Enfin, voilà, qu'il y a un vrai encadrement parce que les organisateurs de free party sont aussi conscients qu'il y a aussi ce danger-là et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de problèmes liés à leur soirée. C'est des amoureux de la techno et que les problèmes inhérents à cette culture-là, c'est pas franchement le problème de l'organisateur.